Lab et Oliver Plasma pour le vidéo test de Nintendo Land, un jeu sur Wii U qui a été lancé au démarrage de la Wii U. Salut Oliver. Salut Fireflam. Vous sentez bon encore une fois. Et que pouvez-vous nous dire sur ce nouveau jeu qui est un jeu très arcade? Eh bien, c'est tout simplement un jeu où il y a plusieurs mini-jeux. On n'en sait pas plus, on n'a pas fait beaucoup de mini-jeux. Et là, on est sur le menu qui est assez spécifique, hein, car on se balade un peu partout. Et comme démontre son nom Nintendo Land, il y a plein de mondes voilà. De Nintendo, de différents jeux de Nintendo. On m'a dit que vous pouvez aussi trouver des prostituées dans certains coins de Nintendo Land. Et là, mais c'était pas sûr. J'ai cru que vous avez arrêté ces blagues, Fireflav. Donc voilà, l'ennemi de Fireflav qui est à côté, hein, il va essayer de le prendre déjà. Un ennemi qu'on a créé spécialement pour Fireflav. Bon, en vrai, Fireflav n'est pas roux, hein, ne vous inquiétez pas. Fireflav. C'est pour montrer le feu qui est en lui. Et donc là, on va choisir un mini-jeu. Ne vous inquiétez pas, le feu est aussi dans le caleçon, pour les intimes. Et je crois que, voilà, la tronche de Fireflav. Ah, il est en Toad, et moi je suis Mario. Et on se lance de notre premier mini-jeu. On l'a jamais fait, hein, vous voyez bien. Non, nous ce qu'on a fait surtout c'est le mini-jeu Zelda. On vous le montrera plus tard. Oui. C'est parti. Donc moi je joue sur le gamepad, vous pouvez pas voir ce qui se passe sur mon gamepad, hélas. Et Fireflav lui joue avec la bonne vieille télécommande, lui. Dans Mario en fuite, la pitié n'est pas de mise. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez 2 minutes pour attraper Mario, alias Oliver Plasma. Yeah. Oula, qu'est-ce qui se passe? Les Mecha Yoshi poursuivront également Mario, alias Oliver Plasma. Courez-lui après. Sautez-lui dessus, plaquez-le. En bref, faites ce que vous voulez de lui. Sauf l'autre chose. Oui, cette chose qu'on ne parlera pas, car nous sommes face à un public très jeune. Voilà. Attrapez Mario! Il est où Mario? Ouais. Il est juste devant! Ah mince, c'est à moi de bouger d'abord! Je m'enfuis! Ah ça va! Et on peut voir la gueule d'Oliver Plasma qui est vachement. Oh yeah! Vachement. Oh yeah! Et je veux avancer. Hein. Vous m'avez déjà vu dans le générique, maintenant vous me verrez aussi dans cette vidéo. Et comment on avance là? Fireflame n'arrive pas à avancer. Merde, un Yoshi m'a plaqué. Oh non, tu crois savoir à peu près où je suis. Bon, cache-toi pas trop parce que pour moi le jeu pourra durer 2 heures. Oui, parce que Fireflav est un peu paumé. Fireflav ne s'y connaît pas trop. En plus, moi ce qui est bien c'est que j'ai une carte à ma droite et donc je peux tout voir. Je peux voir où est placé le Toad, alias Fireflav. Tu peux voir aussi les deux Yoshi, mais les deux Yoshi me collent au basque depuis tout à l'heure. Comme vous voyez, les mini-jeux sont vraiment très simples. Quand on pense que Nintendo voulait faire un carton avec ça, bah c'est quand même une originalité de voir notre tronche sur la télé. Bah, en tout cas, la mienne, on la voit pas. Ouais, hélas. Bah, je pense prendre une étoile. Je pense pas que la télécommande Wii puisse te filmer. Non, effectivement, j'ai un trop gros nom. Pourquoi on peut pas prendre l'étoile là? Mais parce qu'on peut pas! Plus de 43 secondes à tenir! Où est-toi? Mince! Je me suis pris le mur! Moi c'est vraiment dommage pour vous de ne pas voir ce qui se passe sur la télécommande, sur le gamepad! Oliver, venez à moi! Venez à moi! Vous pouvez voir au moins ma tête, c'est la bonne chose! Oui, ou la mauvaise! D'un autre côté. Oui, voilà. C'est pas comment on voit les choses. Oliver. Oh. On peut enlever ma tête. Je pense que ce jeu a été très ennuyant pour vous. Bon allez, on peut remettre ma tête parce que je suis tellement beau gosse. Terminé. Voilà, et ça se termine sur une course magnifique où Oliver Plasma l'emporte. Voilà. Avec sa très belle salopette. Qui est à moitié de traviole. Devinez ce qu'il a sous la salopette. Une plaie de pouce. Pour la petite blague. D'accord. La blague un peu à 2 balles de Fireflav.
Et là, on peut voir tout le parcours qu'on a fait, en gros. Voilà, moi j'ai tourné en... En vitesse rapide, hein, bien sûr. Toad ne fait pas grand chose, hein, reste plutôt au milieu. Enfin, quoique là, il est plutôt en haut, mais... Après, il va être au milieu pendant toute la fin du truc, du parcours. Comme vous voyez, bah, c'est plein de petits jeux comme ça qui sont très sympas à faire entre amis. C'est en gros une espèce de Mario Party, mais un peu mieux quand même. Un peu simplifié quand même. Oui, un peu simplifié, parce que c'est plus un espèce de jeu de société, parce que Mario Party c'est un espèce de jeu de société quand même, avec les dés et tout. Ça fait franchement penser à un jeu de société. Alors que là, c'est plusieurs mini-jeux de repris de différents jeux avec les Mii, tout simplement. Ce qui est sympa, c'est qu'on a des petites images. Des petites images qui montrent les photos magnifiques de Firefly en action. En action. Alors, Oliver Plusman, si vous voulez, on va faire le jeu le plus amusant. On peut aussi bouger le gamepad comme un maboule si on a envie. Voilà. Enfin, voilà. Si on a fumé, on peut le faire. Oui, voilà. Même si on n'a pas fumé, on peut le faire. Ça risque de faire planter le boîtier d'acquisition. Non, je rigole. Et je me disais si on pouvait faire le jeu de Zelda, Oliver. Ah, bah j'ai l'impression que je suis tout seul. Ah oui, c'est... Bon, c'est un petit jeu, ça, j'ai vu... En fait, j'ai vu ma sœur le faire, en fait. Et c'est un petit mini-jeu où on... Bah, vous allez voir, où on balance des shurikens sur les ennemis. Je crois qu'on joue qu'un. Oui, on joue qu'un. Et voilà. Je suis Yoshimitsu, maintenant. Bon, bah, je vais commenter si les exploits de Oliver Plasma. Ça va être la première fois de ma vie que je vais faire ce mini-jeu. Ne vous étonnez pas si je fais n'importe quoi. Tout simplement. Je suis la princesse Monita. Vous pouvez m'appeler maître. Voilà, vous entendez la petite télé chinoise. Je vais vous faire la traduction si vous voulez, Oliver. Non, mais elle parle français. Ah bon? Essayez de pointer vers moi la flèche orange qui se trouve. Alors, comme vous savez, Firefly n'aime pas les trucs japonais. Oui, il déteste les RPG, c'est un truc qu'il déteste le plus. Bon, je vais passer parce que je pense savoir comment faire. Je pense. Vous savez, si je vois une jaquette de RPG, je pisse dessus. Hein, comme ça va vite. Ah voilà, petit entraînement. Là, je suis en train de balancer un shuriken largement trop haut. Oui. Ouais. Oui. Oui. On peut dire que c'est vachement arcade. Hein. Vous trouvez ce jeu-là en gratuit sur Internet. Hein. Oui. Oui, Firefly. C'est normal que chaque fois il va trop. Ah oui, voilà, fallait baisser le gamepad. Ah, c'est assez original. On doit orienter le gamepad et en même temps utiliser l'écran tactile pour envoyer le petit shuriken. C'est quelque chose de marrant. Enfin, d'utiliser la gamepad. Donc, vous voyez, si vous voulez un jeu de Wii U qui est pas mal, prenez celui-là parce que. Un jeu qui est pas mal pour la famille. Il y a beaucoup de mini-jeux qui utilisent beaucoup la capacité du gamepad. Je suis en mode concentration là. Ça me déconcentre, Fireflame. Vous ne sentez pas très bon. Je sais, mais c'est normal. Ce matin, j'ai mis du Playboy. Et vous? Vous avez mis encore de la merde de chat? Ah, comme vous pouvez le voir, on peut faire des combos, là je suis à 6, et là je me suis planté, donc normalement le combo retourne à 0. Ah non, je suis à 7, comment ça se fait? Je comprends pas. Donc je sais pas ce que c'est. Oh mince! Ah, je crois que j'ai fait un truc sans faire exprès. Bon bah voilà, vous avez bien vu ce que c'était, hein, je joue comme une merde. C'est un jeu... extrêmement... old school. Voilà. Ça fait vraiment arcade. Et tu as eu 360 points, c'est pas 72,7%, voilà. C'est pas mal. Pour le temps. Et là, je vais le faire faire. Oui, c'est bien, je dois détruire ce petit machin. Bon, vous voyez, c'est pas non plus un jeu fait pour les graphismes, hein. C'est surtout un jeu pour s'amuser. Un peu comme le Mario Bros de la Wii U. Pour délirer un peu entre... entre potes, avec vos ex. Voilà. Vous avez vu le truc, hein. Voilà, vous pouvez tirer sur les arbres, c'est magnifique. Vous pouvez le faire à poil, habillé. Voilà. Vous pouvez le faire n'importe où. Continue.
Firefly ne changera donc jamais. Oliver, je me disais, est-ce qu'on pourrait quitter ce jeu pour enfin mettre Firefly à l'épreuve ? Oui, on va quitter ce jeu. Alors comment on quitte ? Eh bien en fait, voilà. Avec peut-être le meilleur mini-jeu qui est... Là, il nous demande de faire ça à chaque fois. Le mini-jeu Zelda. Voilà. Oui, mais je peux pas quitter. Ah oui, c'est... quitter. Voilà, vous avez vu en quoi consistait ce mini-jeu, qui est plutôt rigolo, mais on peut jouer qu'un. On va pas rester 6 mois dessus. On va mettre le menu normal, hein, où on peut voir tous les niveaux, tous les trucs qu'il y a pour l'instant. Je sais pas s'il y en a à débloquer, parce qu'il y en a rien à débloquer. Oh, Oliver, j'ai une question très pertinente. Est-ce que le jouer en solo, c'est aussi bien que jouer à plusieurs ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup beaucoup mieux de jouer à plusieurs, parce que c'est surtout un jeu fait pour jouer à plusieurs. Mais c'est aussi un jeu scoring, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scores à faire. Comme vous voyez là, j'ai fait un score assez pitoyable, peut-être. Par exemple, le bout, c'est... voilà, vous avez au moins une idée de ce qu'on va faire comme vidéo test, hein. Ça sera sur Luigi Mansion avec une invitée spéciale. Et même, je sais pas si elle sera déjà en ligne au moment où on est en train de faire cette vidéo. Non, ah oui, la vidéo de Luigi Mansion. Ah oui. Elle sera peut-être prochainement sur vos écrans. Avec comme d'habitude un Mais ça sera pas en HD car c'est un jeu de GameCube. Voilà. Et je suis Luigi apparemment. Enfin, on peut faire des vidéos de bonne qualité quand même. C'est quelque chose. Il y en a un qui est le fantôme, moi je suis le fantôme. Et l'autre c'est Firefly, il doit m'éclairer pour. Là, Luigi. Ouais, il doit m'éclairer. Non, là Luigi c'est. Il aspire, mais. Lui il doit m'éclairer avec sa lampe torche, sachant que sa lampe torche. Bon, je vais vous expliquer Firefly. Okay, alors, je le connais ce mini-jeu, on l'a déjà fait. Car. Voilà. C'est un mini-jeu vraiment. Bon, c'est pas un mini-jeu superbe. Hein. Alors, Firefly ne me voit pas. Mais il peut me voir que si je me fais éclairer. Par exemple là, il m'a éclairé, je suis tout affolé, je m'enfuis. Je peux que allumer une lampe. Oui. Ouais, c'est nul. Et moi je peux que te faire peur. C'est tout. Je suis un peu enrhumé. Ah, il peut me voir à cause des éclairs aussi. Ou aussi quand je fais le maboule. Comme ici. Maboule Man, le pouvoir du maboule. Ça c'est. Le pouvoir de la force. C'est pour maudire les ennemis. Comme ça tous les autres ils peuvent plus bouger. Et donc je suis sans crainte devant Firefly. Et je peux l'avoir. Sachant que Firefly il a 3 vies. Donc là il lui reste plus que 2 vies. Et moi mes vies c'est. Là je suis. Il me reste 94. J'ai 94%. Car il m'a un peu éclairé au début. Et ah oui, j'ai oublié de dire que aussi Firefly. C'est pas encore à voir. Firefly 100. Enfin, vous savez, Firefly, votre manette tremble à fond quand je suis à côté de vous. Oui. Voilà, bah c'est quand je suis à côté de vous que la manette tremble. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce jeu là? Tu l'as craqué. Normalement c'est pas aussi facile, mais avec Firefly hein, c'est d'une facilité. Et vous savez, je ne suis pas un lâche. Je n'aime pas les jeux pour les lâches comme ça. On se cache. Vous vous cachez pas Firefly, vous essayez de me débusquer, c'est moi qui me cache. Bon, on va peut-être faire un autre mini-jeu. Voilà. À deux. Un bon mini-jeu. Un Zelda. Voilà, le meilleur mini-jeu bien sûr, hein, Battle Zelda. Quest. Qui n'a rien à voir avec Battle Kaitos, qui est un jeu de boloss. Battle Kaitos? Oui, un jeu de boloss. C'est un super jeu. Quand même. Firefly. Firefly, lui, si vous avez bien remarqué, il a plutôt des jeux qui ont de la classe. Pas 17 sur 20. Si. FIFA 14, FIFA 13, 14 sur 20. C'est le seul. Assassin's Creed a 18 sur 20. Oui. Assassin's Creed 3. À part ces deux jeux-là, c'est tout. Et Silent Hill a 12 sur 20. Ouais. Ça vous impressionne, c'est mais la première. Je sais bien. Vous savez que Firefly a hésité aujourd'hui. Il a acheté un jeu qui est fait en 2002 et il a hésité à le prendre parce que il savait pas si son PC pouvait le faire tourner. Firefly essaye de viser.
Et comme vous le voyez, Fireclaw a le bouclier et l'épée, car ce n'est pas un lâche avec des flèches. Attendez, je range mon stylet, parce que ça sert à rien le stylet, là. Car oui, le stylet, c'est la même chose que le stylet de la 3DS. Et vous allez découvrir en direct les exploits de Fireclaw face au cochon. Fireclaw, the Fire Best. Et comme vous pouvez le voir, moi je suis l'archer. Et donc, tant mieux, vous pouvez voir sur l'écran ce que je fais. Je suis en train de zigouiller les cochons. Bon, à part que vous voyez pas qu'il y a une cible quand je suis en train de viser, mais en vrai il y a une cible, donc c'est beaucoup plus simple pour viser. Hein. Sinon, s'il n'y a pas de cible, je suis un peu dans le caca. Et donc là, on doit se faire tous les cochons, sachant que Fireflav est l'épéiste, et moi je suis l'archer. Et que là, je viens d'esquiver une attaque, ça me demandait de faire un QTE. Sachant qu'il y a, en tout cas pour l'instant, j'ai eu que deux sortes de QTE. Il y a eu basculer la gamepad sur le côté ou, comme là, appuyer sur R et L en même temps. Et voici un mini boss qu'on appellera Charles, car on a su plus tard qu'il y avait des choses pas très. La petite originalité, c'est que l'archer, bah, on peut soit bouger avec juste le stick directionnel, mais pour que ça soit plus fun, ce que je fais en ce moment, on le bouge en bougeant le gamepad. Comme ce qu'on fait dans la réalité. Par exemple, là je suis en train de bouger comme un fou. Voilà. Attendez, je pense que le cochon était constipé parce qu'il marchait mal. Oui. Je devrais aller voir. C'est une très bonne remarque. Regardez, par exemple, là je fais ma boule et ça fait n'importe quoi. Mais je peux pas faire ça avec le stick, c'est pas assez rapide. Et par contre là je viens de me faire un point. Si vous regardez les points, Fireclaw mène largement. Et sachant que l'écœur nous appartient à tous les deux, même si on peut jouer à 5 simultanément en tout, hein, en même temps, donc c'est vraiment bien. Ah, une araignée, attention. C'est le Seigneur des Anneaux, fais gaffe. Donc c'est vraiment pas mal. On peut jouer à 5, oui. 4 qui font l'épéiste. Et les environnements sont quand même assez variés. Oui. Et puis 1, l'archer. On peut jouer à 4 parce que avec maintenant le gamepad, ça fait un autre écran, vous voyez. Dommage que il n'y ait pas plusieurs joueurs qui puissent jouer au gamepad. Car il n'y a que un gamepad qui est relié à la Wii U. Peut-être que dans la prochaine console de Nintendo, ils pourront faire ça. Là, j'essaye d'exploser les grosses boules pour que Fireflav puisse avancer sans se faire toucher. Fire Tear! The Fire Best! Fire Move! Ah, j'ai touché Fireflav! Merde, ça l'a déstabilisé.
On va plutôt vous faire un autre niveau de ce jeu. Oui. On va plutôt vous faire... toujours celui-là. Ouais. Sur un autre jouet. 4. 2 joueurs. 2 players. Oliver Plasma. Oliver Plasma, The Big... Fireflav. Fireflav, le clou. Et on va faire le numéro... le 2. Le 2. Voilà. Voilà. Et ça commence à me saouler parce que la caméra c'est encore... Voilà. Vous allez voir peut-être une petite coupure, vous entendez pas nos jolies voix pendant 3 secondes. Voilà. Mais c'est pas grave parce que... Vous allez pleurer car Fireflav et le soleil dans votre vie, vous ne l'écouterez pas pendant 3 secondes. Mais ce n'est pas grave. C'est très très grave. Ce n'est pas grave. Bon, je vais commencer. Alors, je me concentre là, on va pas jouer comme des bouses là, je suis parti là. Les bois perdus. Beaucoup de viols ont eu lieu ici. Ah, il faudrait vraiment prendre une vraie caméra pour une fois, ce serait peut-être bien. Oh. Là est toute ma technique. La tactique de Fireflav, the fire move. Comme vous voyez, j'aime bien les cochons. J'aime bien faire le cochon aussi. Mais ça, c'est autre chose. Oui. Mince, j'ai pas eu. Et comme vous voyez, quand il y a des archers, Fireflav. Se protège avec son bouclier. En appuyant sur le bouton B. Voilà, tout simplement. Et moi, en même temps, je tue les archers. Si vous me voyez trembler, c'est normal. C'est parce que... Oui, c'est parce que Fireflav a le stress en lui. Et surtout parce que je manque de coke. Voilà. Pour ouvrir une porte, Fireflav devient tout foufou devant simplement un interrupteur et a même fait... déconnecté, ah, encore une fois, sa télécommande. Ne vous inquiétez pas, hein, jeune joueur ou jeune joueuse, ça vous arrivera pas souvent parce que Fireflav, lui, c'est vraiment fou de la vie. Et même la télécommande est rouge. Donc je pense pas qu'il nous reste beaucoup de temps. Oui, un petit cœur en plus, ça fait toujours du bien. Si vous voulez plus prendre exemple sur moi, bah, regardez le petit écran. Et si vous voulez de la grandeur, regardez le grand écran. Voilà. C'est tout. Pour le moment. Bon, pour recharger, je dois regarder par terre. Hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Je l'entendais pas, mais il y a des musiques très sympathiques. C'est la musique de Zelda, enfin voilà. La musique de la forêt dans Zelda. Alors que j'entends une porte, c'est très mauvais. Très très mauvais. Vous voyez la végétation hein, qui est faite comme si c'était une mamie qui a cousu ça. C'est des arbres qui ont été cousus. Je suis en train de viser là comme une merde. Ah, le poulet, vite! Oui, une vie en plus, ça fait bien. Bon, et aussi, il faut savoir avoir un peu de technique comme Fireflav. Voilà, vient de se planter. Pour avoir les cochons qui. Histoire de trancher les cochons. Les cochons qui ont saucisses. Un bouclier. Non, les cochons qui ont un bouclier. Car ils se protègent. La saucisse, du poulet. Il faut attaquer là où ils se protègent pas, tout simplement. S'il se protège vers la droite, vous attaquez vers la gauche. S'il se protège vers la gauche, et vous attaquez vers la droite. Ce cochon ne ressemblerait pas à votre frère Oliver. Si. C'est lui qui a été possédé. Le mal le possède. Seul un brave peut le sauver. Vous l'avez sans doute entendu, mon frère, dans la vidéo de Castlevania 5, Dracula X. Ah voilà, on a battu mon frère. Voilà. Pas dans le sens un peu, voilà. Ça se voyait qu'il était constipé. Ouais, il parle. Et voilà, ben, nous avons la Triforce. Et là, on dirait. Et Fireflav a encore déconnecté sa manette. Là, on dirait vraiment qu'on est dans Assassin's Creed. Enfin, bref. C'est peut-être le moment de donner les notes, Oliver. Eh bien. Graphiquement. Je préfère mettre ça dans la description, Fireflav. Oui, bon, on va me donner quand même les notes. Il vaut mieux plus réfléchir. À ce qu'on va mettre.
On va quand même la donner. Et pas mettre tout de suite la note comme ça. Oui, mais il faut quand même vous donner une note générale. Oh, Firefly, que mettez-vous? Je donnerai un 13 sur 20 pour un jeu sympathique, mais ce n'est pas une référence dans les jeux familiales. Si. Non. Les jeux familiales, c'est plutôt bien pour un jeu familial quand même. Oui, mais ce n'est pas une référence. Pour la Wii aussi. Moi, je donnerai un 13 sur 20 et Oliver Plasma. Bon, c'est une très bonne note. Sera. Je suis d'accord avec Firefly. Donc voilà. Hein. Et sur ce, vous voyez le score. Qui est magnifique, hein. Toujours moi le premier. Hein. Oui, je sais. Vie perdue 5, et vie perdue 0 pour moi. Firefly a vraiment perdu pas mal. 33 ennemis, Oliver. Oui, c'est et un bon là, début. Et toute la différence. Et sur ce, on va vous dire. Oliver Plasma vous dire le mot de la fin. À la revoyure pour de nouvelles aventures avec Fireflame. Oh.